C'est lancé. Monsieur le secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture, mesdames et messieurs les directeurs, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur que nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à ce lieu historique qu'est le Musée national, qui pendant 60 ans a été le cœur de la prise de décision du Cameroun. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du théâtre, ce 27 mars 2020, avec comme thème mondial « Théâtre comme sanctuaire » et comme thème national « Théâtre pour l'unité ». Good afternoon, Eta. Good afternoon, Jackie. Ladies and gentlemen, every year on this day, 27th of March, is celebrated over the globe, the World Theatre Day. This commemoration was instituted in 1962 by the International Theatre Institute. This year's World Theatre Day is commemorated under the theme, Theatre as a Shrine. As we celebrate this day, two important activities were prepared. The declaration of the Minister of Arts and Culture under the theme, Theatre for Unity, and a theatre piece directed by Mr. Ambroise Mbia. Let's remember, theatre is food for the spirit. Far beyond its role of entertainment, it educates. Jackie? Mesdames et messieurs, à présent, je vous prie d'être attentif à cette pièce de théâtre mise en scène par M. Ambroise Mbia, qui nous sensibilisera sur l'unité nationale, la paix et la lutte contre le coronavirus. And the members of the crew taking part in this theatre piece today are Daniel Ndo, popularly known as Ochama, Fai Donatus, Alex David Longa, Wilson Bernard, Ousmane Oussali, Jacobin Yaro, Douala Toto, Didier Onana Awana, Tegege International. Ladies and gentlemen, we count on you to give us your attention and follow this piece brightly. Auteur dramatique du Pakistan qui a pour titre le théâtre comme sanctuaire. À la fin d'une représentation de la pièce du théâtre à Dioka, sur le poète Soufi Boulecha, un vieil homme accompagné d'un jeune garçon est venu voir l'acteur jouant le rôle du grand Soufi. Mon petit-fils est malade. Pourriez-vous lui donner une bénédiction? L'acteur fut surpris et dit: je ne suis pas méchant, je suis juste un acteur qui joue ce rôle. Le vieil homme dit: non, fils, tu n'es pas un acteur. Tu n'es pas un acteur. Tu es une réincarnation de Boulecha, son avatar. Soudain, un tout nouveau concept du théâtre nous est apparu où l'acteur devient la réincarnation du personnage qu'il incarne. L'exploration d'histoire telle que celle de Boulecha, et il y en a tellement dans toutes les cultures, peut devenir un pont entre nous, créateurs de théâtre et public anonyme, mais enthousiaste. Une fois de plus, salut M. Ambroise Mbia, vous êtes un personnage artistique et culturel qu'on ne présente plus pour le public camerounais.
Pouvez-vous nous dire ce que représente le théâtre pour vous et quelle est la quintessence de la journée mondiale du théâtre que nous allons célébrer aujourd'hui ce 27 mars 2020? Le théâtre est le métier que j'ai choisi et je ne regrette pas de l'avoir choisi parce qu'il m'a permis de jouer dans, j'ai envie de dire, les plus grands théâtres du monde. Il m'a permis de m'exprimer, il m'a permis surtout de gagner ma vie. Je dois le reconnaître, j'ai été pensionnaire pendant 7 ans au Théâtre National Français. J'ai fait une trentaine de films, entre autres. Donc je pense que c'est un métier à encourager au Cameroun et en Afrique. Maintenant, la Journée mondiale du théâtre 2020 est axée sur le retour aux sources, c'est-à-dire la base du théâtre dans chaque pays. Comme c'est le cas au Cameroun, ce sont les contes, ce sont les épopées, ce sont les devinettes, entre autres. Parce que c'est ça qui est en fait la sagesse ancestrale dont nous disposons. Et l'une des plus grandes richesses du théâtre camerounais et africain repose sur les contes, sur les poèmes, sur les épopées. Merci. Engrain refuse qu'on lui dise qu'il a le coro. Ah oui, ah ça, et le coro ici au village, c'est ce que vous appelez coro. En disant tout de suite que le théâtre, pour moi, représente tout simplement un métier parce que 63 ans sur scène, vous comprenez que je ne peux considérer cela que comme un métier. Et disons aussi que le théâtre peut être considéré comme un instrument d'éducation, parce que par le théâtre, il y a, par exemple, des thèmes comme la lutte contre le corona, la lutte contre le sida, qui peut faire partie de ce qu'on appelle l'art-thérapie ou comique de situation ou jeu d'empathie ou voire même théâtre forum. Donc il y a beaucoup d'éléments qui peuvent intervenir soit dans le cadre de l'éducation, soit dans le cadre de l'art proprement dit. Je pense qu'il est important que chacun se choisisse une voie dans le théâtre pour pouvoir apporter sa contribution au développement de nos pays qui en ont besoin. Voilà. Merci. Tu vas inventer dans l'esprit, dans le muscle, les nerfs. Inventer et garder les yeux secs. Tu vas inventer sur la profanation de la forêt, sur l'impudique vigueur de la chicotte, sur le parfum des tronciers. Inventer et garder les yeux sec. Salut Monsieur Jacobin Yao. Vous êtes un personnage qu'on ne présente plus en matière de culture au Cameroun. Pouvez-vous nous parler, pouvez-vous partager avec nous votre amour du théâtre? Bien, mon amour pour le théâtre est un amour, je dirais, qui est lié au destin. On a l'habitude de dire que c'est le chemin qu'on prend pour éviter son destin, qui nous le mène évitablement. Je n'ai jamais été formé pour être comédien, mais le théâtre est venu vers moi comme si j'avais été créé pour que le théâtre m'habite. Donc, ma vie n'est pas différente du théâtre, parce que je crois que depuis déjà tout petit, dans la famille, j'étais réputé pour être celui qui était toujours la personne qui se donnait en spectacle.
ça me valait toujours aussi. Pas toujours des mérites. Hein. Je recevais bien des coups pour ça. À l'école, pareil. J'ai commencé à jouer dans les petites occasions, l'occasion des fêtes de fin d'année et tout, jusqu'aujourd'hui où j'ai été faire un tour au Conservatoire d'art dramatique à Montréal en 1990. Et voilà. Merci. En Afrique, les artistes, tous avec révérence, le sol de la scène, avant d'y poser les pieds. Une tradition ancienne où le spirituel et le culturel s'entrent. Pour le théâtre, date depuis très très longtemps, quand j'étais toute petite. J'ai commencé à jouer, j'avais l'âge de 14 ans, c'était à Douala. Bon, j'ai eu un heureux hasard d'être née entourée des salles de cinéma. Parce que je suis née à Douala dans le quartier Aqua sur la rue du 27. J'avais un cinéma en face, un cinéma derrière, un cinéma à gauche, un cinéma à droite. Et il me suffisait seulement de traverser, d'aller voir des films. Et c'est comme ça que ma passion est née pour le théâtre, pour le cinéma. Le théâtre a le potentiel de devenir un sanctuaire et le sanctuaire un lieu de représentation. Pêche un jour, t'entre un peu de moi, en offrande à te destiner au carrefour de l'avenir. Deviendrai-je un jour cet arbuste qui tend vers toi ses branches fleuries? Je nourris déjà en moi l'impatience. Tu es ce petit pays, Cameroun, terre de ma chair. Au centre, tu es ce petit pays, au grand cœur, dont les battements nourrissent la... Qu'est-ce que je peux dire? Mon amour pour le théâtre, il est indescriptible. Il est un amour profond et immense. Et c'est un amour communicatif. Et bon, si on pouvait commenter l'amour, je dirais que l'amour, c'est tout simplement quelque chose d'indéfinissable qui lie une personne à l'autre ou bien un métier à un passionné. Voilà. Hello, sir. Yeah, hello. Please, could you present yourself and share with us your experience in theater and your love for it? All right. Thank you for coming towards me. My name is Wissi Bernard Bongesheri. I'm a theater practitioner. I am the coordinator of the Rainbow Interactive Theater based in Yaoundé, and I've done a lot of theater performances in Yaoundé, Boya, in the Northwest, and many other places in Cameroon. You see, actually theater, first of all, some people confuse between theater, which is a place where surgery takes place, and theater, which is a performance. Now, let me first of all begin by explaining what theater is all about. You know, theater is a live performance that is done in front of an audience, that's a public, at a particular place and time. And these performances are meant either to entertain or educate the public. So this is the type of theater that we are celebrating today. And you know, as men of theater,
this is our day. We have to enjoy it. We have to make the world understand that there is something that exists like theater. Although many people say theater is dying, theater is not dying. Theater is life, and we are living that life today. And what the love of theater? Oh, really? Yeah. If not for the fact that I am a theater lover, I wouldn't have been here. And that is why I teach theater. I teach theater at ISTIC. I teach theater at part-time at the University of Yaoundé One. And I equally train a lot of young guys to at least take from me, if actually, because I know some of us are aging out. I know they're going to take after us. And that is the most important thing. Thank you very much. Thank you. Down to the deep blue sea of Limbe and Kribi. A new dawn is a time for a new commitment. Commitment into the triple heritage of peace, work, and fatherland. From the thick, invincible forests of the south and the east, down to the savannah, to the plains of the grass field, a new dawn is a time for renewed hope for our commitment and trust into the new triple heritage of peace, work, and fatherland. Up on the summits of the chariot of the gods, down to Idabatu and Bakasi, a new hope. A new dawn is a time for renewed hope, hope into the triple heritage of peace, work, and fatherland. My name is Donatus Fai Tangem. I'm an associate professor at the University of Yaoundé One, Department of Arts and Archaeology, Performing Arts and Cinematography section. My experience in the theater has been a very long and enjoyable one, because theater to me is a tool of education, tool of sensitization, and it's also an approach by which individuals in a community can mobilize to resolve their own problems. So we do also what we call theater for development. You know, theater, in some other societies, they look at it as a cultural action for change, cultural mobilization or indigenous action for social change. Now, with regards to International Theatre Day, it's an activity. I mean, it's a day set aside by ITI, International Theatre Institute, and which was approved also by UNESCO as a time to sensitize the general public on the power of the theatre. Theatre being a tool, like I said, that could help in assisting the mobilization, the communication, and the propagation of certain values in society. Theatre, as you know, is one of the fundamental forms of art, and I would say it's actually the mother art, you know, because through theater you can actually also inculcate other artistic forms. So theater is a powerful tool that every community needs in order to move forward in its values that it cherishes. You're welcome, sir. Cameroon is one and indivisible. C'est à dire, le Cameroun, c'est le Cameroun. Et j'apprécie aussi ce proverbe que Koundia avait dit toujours. Cameroun is a beautiful country. C'est à dire, impossible n'est pas Camerounais. Mais il y a quelque chose qui m'énerve avec les Camerounais. Oui, excusez monsieur, pouvez-vous nous parler un peu de votre amour pour l'art et ce que vous pensez de la journée internationale, de la journée mondiale du théâtre? Oui, mon amour pour l'art, je crois que c'est... Pour le théâtre, excusez-moi, vous voulez dire. Mon amour pour le théâtre, c'est un amour, je dirais, atavique, c'est-à-dire je tiens ça de mon père qui était un homme de théâtre. Et c'est dans mes gènes, j'aime le théâtre depuis que je suis tout petit. Je l'ai pratiqué toute ma vie jusqu'à ce jour. Et cette journée mondiale du théâtre est pour nous une occasion de revaloriser la mission sociale, la mission spirituelle même du théâtre. Parce que le théâtre, ce n'est pas seulement de l'amusement comme certains le croient aujourd'hui, à partir de ce qu'ils voient, des humoristes, des comiques. Non, le théâtre a une mission de sensibilisation, de transformation et même de conversion sociale.
Donc une journée comme celle-là doit être vraiment prise au sérieux et servie de canal pour que beaucoup de messages soient véhiculés pour la sensibilisation sociale à travers le théâtre. Je vous remercie. Je vous en prie. Et cet ennemi devient votre associé. La paix est coûteuse, mais ça vaut la peine. La paix ne peut être réalisée, mais le sage n'aspire qu'à la paix. L'art de la paix ne peut reposer sur la violence, sur les armes, pour triompher. Alors, mon frère, ma sœur, si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui divise... Je me nomme Ousmane Sali, artiste comédien, metteur en scène. Bon, pour moi, le théâtre, c'est, comment je peux dire, si j'ai assez de sens, où je peux citer le toucher, lui et tout, le théâtre, c'est partie intégrante de moi-même. Donc, le théâtre, pour moi, c'est ma vie. Donc, tellement que j'ai épousé le théâtre, je n'arrive même pas à faire autre chose que le théâtre. Le théâtre, c'est la vie. Le théâtre, c'est, comment je peux dire, c'est une thérapie pour moi. Donc, le théâtre m'a beaucoup aidé. Et même travailler mon français, la diction et le comportement et la vie sociale. Donc la journée internationale du théâtre, c'est juste pour rappeler aux gens qu'il y a un métier qui existe et qui doit être valorisé. Même comme à côté, vous voyez un peu, le cinéma prend l'ampleur, mais on fait toujours référence aux jeux d'acteurs et à la diction et tout. Donc le théâtre est quand même, je peux dire, un métier qui ne peut en aucun cas disparaître. Donc pour moi, le théâtre, c'est la vie. Et votre futur dans le théâtre, bien, comment est-ce que vous voyez la propension, l'expansion du théâtre au Cameroun dans les 5-10 prochaines années à venir? Bon, en fait, le théâtre change de forme. Et vous voyez, il y a maintenant la version contemporaine où chacun est libre de faire comme il veut, tout en respectant que le côté artistique et de dire j'ai envie de partager une folie avec un public et je lance quoi. Donc c'est comme un tableau où ça change, tout change. Mais moi je dis le théâtre a de l'avenir, mais maintenant c'est de savoir comment le propager et... comment je vais aller vers le public en fait pour que le théâtre soit aimé. Moi j'ai choisi le théâtre si par exemple certains disent que le théâtre meurt parce qu'il n'a pas assez de financement, mais c'est à nous aussi de chercher un peu les voies et moyens pour que ce métier ne meure pas. Je vous remercie. Merci beaucoup.